Mardi 23 juillet 2024, nous comptons rentrer la CAO dans l'ESA en collaboration avec VOA Créole pour que nous capables vin informer de ensemble point capable domine actualité en bon la CAO pa nou ak l'autre bord de l'eau. Mais parmi quelques points n'a gagné pour venir développer dans journal ça gagné ambassadrice pays États-Unis Linda Thomas à Greenfield qui même visité Haïti hier lundi 22 juillet 2024 l'an li annoncé yon aide 60 millions de dollars pour Haïti. L'autre information nous pral wè dans journal là, la police nationale d'Haïti arrêté des présumés bandits dans Semak qui impliqué dans kidnapper yon beau-frère. Et puis l'autre bord de l'eau, il y a un président américain Joe Biden qui renonçait pour participer dans l'élection présidentielle qui a fait 5 novembre en Capitola dans pays États-Unis. Faut nous dire que eh bien il y a un vice-présidente pays États-Unis Kamala Harris qui lui-même va représenter un parti démocrate dans l'élection ainsi là. Et puis n'a fait un autre coup de pied nous pral wè gros conflit ça qui gagnait eh bien entre pays Israël et Yémen côté que gagnait une attaque un drone que pays Israël fait sous Yémen attaque qui la cause gagnait une plus gros port qui gagnait dans pays Yémen qui arrivait écrasé n'a vienne avec plus détails par rapport avec attaque ça qui capable de qui capable l'ouvrir eh bien sous un éclatement la guerre entre deux pays ça yo. C'est ensemble information ça yo avec plusieurs les autres n'a gagné pour venir développer dans journal là mais c'est pour après pour ça. Yon fois encore n'a saluer tout le monde qui connecté journal ça nous comptons rentrer la caille nous en collaboration avec VOA Créole pour que nous capable venir porter pour nous toute nouvelle qui gagne bon la caille pas nous ak l'autre bord de l'eau. N'a démarrer journal avec information ça côté que gagne et ambassadrice américaine n'a parlé de Linda Thomas Godfrey qui lui-même rencontré conseil présidentiel là et puis Gary Conin dans moment rencontre ça il profiter pour que il capable fait une annonce de une aide 60 millions de dollars eh bien pour un pays pendant une brève visite li dans pays ambassadrice États-Unis en l'ONU Linda Thomas Greenfield li annoncé un nouveau financement américain 60 millions de dollars qui destiné pour renforcer sécurité et puis fournir une aide humanitaire ensemble avec pays. Annonce ça, il était fait dans conférence pour la presse que il était bail dans salon diplomatique aéroport international Toussaint Louverture dans date 22 juillet 2024 là, États-Unis pral débloquer 60 millions de dollars en plus par billet USAID pour capable soutenir population haïtienne là. Selon diplomate là, eh bien somme ça il visait pour capable atténuer souffrance qui causée par violence négaxamio et puis instabilité politique là li pral permettre pour combler besoin dans question manger sécurité alimentaire logement et puis améliorer service d'eau ak assainissement. En matière de sécurité ambassadrice li annoncé que États-Unis pral bay machine blindée en plus ensemble avec Haïti qui inclut bien machine qui résister qui capable résister ensemble avec mine et puis protéger contre embuscade ti monsieur Axamio dans l'idée pour capable porter soutien avec mobilité mission multinationale appui à sécurité ça nous relait MMAS là et puis département d'état via bureau et international narcotic and law enforcement li pral fourni l'autre machine blindée pour capable aider police nationale haïtienne en bataille contre violence nèg exam pa bo ici actuellement gagné 400 officiers kenyans qui déjà en Haïti gagné un contingent supplémentaire 200 officiers qui gagné pour sortir Jamaïque qui gagné pour rejoindre Haïti très bientôt tandis que Kenya lui-même l'a préparé pour capable voyer 600 autres officiers li a déclaré que tout bagaille ça c'est commencement nous pral continuer travail avec l'autre pays pour que nous capable joindre contribution supplémentaire ensemble avec mission d'après ça que li affirmé pendant visite li n'a rappelé Linda Thomas à Greenfield il était accompagné de secrétaire adjoint affaires hémisphère occidental
Brian A. Nichols et il a rencontré conseil présidentiel transition et puis premier ministre Gary Conin dans villa d'accueil là qui Musso il a déclaré et n'a cité engagement nous envers Haïti et gagné un soutien à la réforme gouvernance réduction criminalité et puis protection en droit moun nous apprécier GFOC qui a continué fait bon côté et CPTA en faveur de transparence ensemble avec élection démocratique d'après ça Linda Thomas à Greenfield lui-même lui était écrit pendant rencontre avec conseil présidentiel transition faut nous dire qu'il y a deux conseillers présidentiels qui pas présents. Eh bien, dans la rencontre, ça, c'est Leslie Voltaire qui part en Haïti, et puis gagné Laurent Saint-Cyr qui est même pas présent dans la rencontre. Eh bien, et ambassadrice américaine ensemble avec et conseiller. Il faut que nous disions guerre gagnant, déplacé plus passé 678 000 Haïtiens, tandis que près de 5 millions de monde ont gagné des difficultés pour être capable de manger, soit après moitié de la population haïtienne qui est estimée à 11,7 millions, avec 1,6 million de monde qui risquent de mourir dans grand goût selon les Nations Unies. Les examens contrôlés majeurs. Parti dans la capitale pays qui c'est Port-au-Prince, ils ont formé une vaste alliance pendant que ils ont perpétré un pile moun mouri, ils ont fait un pile kidnapping et ils ont rentré un pile l'argent et ils ont fait violence sous eh bien plusieurs moun. ONU déclaré sorti janvier pour arriver août 2023 et eh mais cas viol t'est augmenté à 49% par rapport avec même période là en 2022. Conseil de sécurité ONU l'a autorisé force là pour capable rentrer dans le pays en octobre 2023, un an après que le gouvernement l'était eh bien et précédent demandé aide ensemble avec ONU. États-Unis fournit environ 300 millions de dollars pour mission qui pas une opération pour capable mettre la paix en dans ONU. Eh bien l'ONU a lancé un appel de 674 millions de dollars pour capable aider Haïti en 2024, mais qui financé par yon ka nan mwa nan l'agent ça eh bien qui t'a mandé n'a pas quitté information par rapport avec visite ambassadrice pays États-Unis en Haïti pour que nous capables allouer information qui vient pour ak insécurité. Eh bien faut nous dit que eh bien la police nationale d'Haïti est arrivée poser la patte sous deux présumés kidnappeurs noyosé Renel Barthéus et puis Whistler Philistin n'a pas rappelé deux monsieur Sao qui gagne 30 à 16 l'année yo arrêté monsieur Sao pour implication yo dans enlèvement et yon nan un beau frère yo. Arrestation ça a été faite dimanche 21 juillet 2024 là dans rentrée sud cité Nissa et Sagéan présumé kidnappeur Sao t'a demandé 400 000 dollars pour que tu es capable de libérer otage là. Famille victime nan a te bay yo yon rançon de 37 000 dollars haïtiens selon un témoignage service investigation nan commissariat à Saint-Maclan. Nan minute n'a pas parlé là pour di nou deux monsieur sa yo nan garde à vue yo attend dossier ou transféré devant instance judiciaire poursuite légale yo. N'a quitté information pas bon la kay pa nou pour que nous capables aller aux États-Unis pour nous parler de eh bien président Joe Biden qui a décidé eh bien quitter course élection. Eh bien c'est vice-président n'a parlé de Kamala Harris qui lui-même pral remplacer dans élection qui est pour fête dans date 5 novembre qui vient là. Eh bien Kamala Harris li pral dans élection en face yon moun tankou Donald Trump président américain li annoncé dimanche là que li écrasé yon quitté ça li pas besoin yon l'autre mandat actuel vice-président là. Eh bien c'est lui-même ni pral porter support ensemble avec lui pour élection ça yo. Faut nous dit que et quand un démocrate là vraiment kwenan et Kamala Harris qui lui-même c'est vice-président pays États-Unis qui pral aller dans course élection yo
face à Donald Trump. N'a quitté l'information aux États-Unis pour que nous soyons capables de traverser dans proche à Moyen-Orient pour nous dire que aujourd'hui là il y a un gros conflit qui existait entre eh bien Yémen et Israël après que Israël ait décidé pour qu'il était capable eh bien frapper le port Yémen avec un drone et drone ça la cause. Six moun a perdu la vie. N'a pas les deux ports qui dans ville Odeida par rapport avec attaque ça. Eh bien, responsable dans pays yéménio, il a préparé pour que capable bah une réponse par rapport avec attaque ça que pays Yémen a subi et de Israël et attaque ça qui la cause. Eh bien, gagné six moun qui mourit. Et port yéménite qui relie Hodeïda, c'est un port qui est vraiment rentable ensemble avec un pays ça qui est complètement détruit par rapport ensemble avec frappe ça qui est arrivé eh bien dans l'ouest pays Yémen côté que yon drone que pays Israël t'a lancé t'a écrasé eh bien pour ça qui la cause gagné en pile dégâts. Il était pour nous tendre pour nous connaître est-ce que attaque ça il pral fini sous déclenchement yon guerre entre pays Israël et pays Yémen. C'est avec information ça que nous avons fait ensemble avec le journal là. Nous avons pris le plaisir pour que nous soyons capables de porter le pour nous. Nous avons invité à rester connectés VOA Creole à porter le reste de nouvelles pour nous. Quel est le grand point cap dominé actualité? États-Unis, président Joe Biden apparaît pour prendre la parole demain soir depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, quelques jours après qu'il a annoncé que l'ira à l'école dans la course présidentielle. États-Unis, élection Kamala Harris après paquet de support li recevoir, apten qu'on y a convention nationale Patia dans le mois d'août, côté délégué pour aller voter officiellement pour représenter Patia dans la présidentielle novembre. Toujours ici aux États-Unis, démission directrice service secret Kimberly Chattel après tentative assassinat contre ancien président Donald Trump pendant un rassemblement dans Pennsylvanie. Et puis, dans l'occasion, ils ont visité quelques heures dans Port-au-Prince, ambassadeur États-Unis dans l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, annoncé l'autre financement américain pour sécurité et assistance humanitaire pour Haïti. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. La bonne nouvelle, c'est que la Maison-Blanche a annoncé que le président Joe Biden pourra le mettre devant le peuple américain. Il y a un message qui est la première apparition en public depuis qu'il a annoncé qu'il a quitté ça dans la course présidentielle. Là. On a le droit à peu près. Président Joe Biden, arrivé dans Washington DC, jeudi mardi 23 juillet 2024, ça, après l'été pour un Air Force One depuis Delaware. Konya l'a paré pour le prendre la parole demain soir depuis Bureau Oval, la Maison Blanche là, dans moment côté pifo famille américaine à Placayo, ça aurait été une heure de pointe. Président démocrate là a mis discours ça devant peuple américain, quelques jours après l'été annoncé décision libre pour aller à l'école dans la course là, pour un deuxième mandat dans la Maison Blanche. Président Biden fait annonce là dimanche 21 juillet 2024 là pendant l'été dans Kai Vacansli dans Rehoboth Beach dans Delaware côté l'été en quarantaine dans isolement parce que l'été testé positif pour COVID-19. Full comprehensive medical report. Attaché de presse la Maison Blanche là, Karine Jean-Pierre, t'es fait connaître que président t'es senti quelques symptômes et tout petit, il était continué à exercer fonction correctement. Dernière fois moun t'es ka ouais président Biden en public, c'était mercredi soir, là il était arrivé dans base aérienne américaine dans Dover dans Delaware, après il était testé positif alors que l'étape menait campagne avant ça dans même jour dans Las Vegas. Docteur président Kevin O'Connor fait connaître que président fini hier lundi avec 10e dose médicament anti-COVID Paxlovid et que li continue exercer fonction li comme ça doit. Docteur a précisé symptômes complètement disparaître, tension artérielle li, rythme respiration ak température normale et poumon li clair. Moins que yon mois avant convention parti démocrate là dans Chicago, État Illinois, président Joe Biden, 81 l'année, ra l'école comme candidat parti démocrate là pour élection présidentielle novembre, dans quelques semaines après yon mauvais performance dans un débat contre rival républicain Donald Trump.
Mauvais performance ça a été déclenché appel public et privé parmi yo démocrates qui gagnent en pile influence pour retirer colle dans course là. Parmi personnalités ça yo gagné ancien président Barack Obama, ancien président chambre députée Nancy Pelosi et yon paquet l'autre allié président Biden. En pile analyse prévoit nan adresse ça que le mettre devant nation depuis la Maison Blanche, un président Biden pral endosser officiellement Kamala Harris pour représenter parti démocrate là dans élection présidentielle 5 novembre 2024 là. Et puis 24 heures après que président Joe Biden prend décision pour endosser Kamala Harris, et bien Kamala Harris était occupé en pile et les fait un premier rassemblement électoral. Sandra Lemer, gain détail. Vice-président États-Unis Kamala Harris était chargé activité après l'été recevoir endorsement président Joe Biden. Il sécurisait plus passé moitié délégué la besoin pour remporter nomination parti démocrate là et puis il cotisait plus passé 81 millions de dollars qui c'est un chiffre record pour cycle politique élection 2024 là. Harris a travaillé sous message politique qui a intention de servir pour remporter la course présidentielle là dans le mois de novembre. Non. Pendant une rencontre avec l'employé campagne Biden dans la ville Wilmington, État Delaware, Harris a mis l'accent sur le palmarès professionnel en tant qu'avocat accusation. Il dit pendant le jour et la semaine qui vient, moi-même, avec nous, je vais faire tout ce que je suis capable pour unifier le Parti démocrate, nous, unifier le pays nous, et puis remporter l'élection. Il compare palmarès à par Trump là, que la justice condamnée pour 34 crimes fédéraux par rapport à un dossier l'argent imbattable dans New York. You know, as many of you know, before I was elected as vice president, before I was elected as United States senator, les dit en pile dans nous connaît avant moi été élu vice président, avant moi été élu sénateur États-Unis, moi été avocat état Californie, avant ça moi été avocat accusation dans tribunal. Dans rôle ça moi été fait face à toute qualité criminelle, mettre dame qui abusait femme, magouilleur qui volait l'argent consommateur, coquin qui violait toute règle pour profit personnel yo. Donc écoutez bien l'homme, dis-nous, je connais le type que Donald Trump représente. Cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Pendant ce temps, candidat à la vice-présidence républicaine, J.D. Vance, t'es assisté au meeting politique dans l'État de Virginie. Vance s'est parlé directement avec électeurs démocrates et puis encouragé à abandonner le parti. Il a invité à rejoindre le parti républicain plutôt. To the Democrats who are watching, please find. Il dit pour démocrates qui regardent yo, tant pis, joignez-nous façon pour faire Kamala vice-président. Je te promets moi un débat avec Kamala Harris et c'est ça m'a cherché. L'histoire a songé Joe Biden comme moun qui non seulement baille le gain, mais tout youn parmi pi mauvais président États-Unis. Mais zami yo, Kamala Harris un million fois pi mal. My friends, Kamala Harris is a million times worse and everybody knows it. Vance a ajouté que Harris appuyait tout le programme Biden qui échouait et que il était bien menti sous capacité mentale, monsieur, pour le servir comme président. One of Joe Biden's failures and she lied about his mental capacity to serve as president. Biden a annoncé dimanche la bras l'école dans la course présidentielle là. Il était cédé en bas pression au paquet démocrate replacé qui dit au quoi il y a trois grands monde pour gérer la présidence là pour l'autre 4 ans. Cependant, il insistait pour dire qu'il gagnait capacité mentale pour le finir mandat comme président États-Unis. Mandat va bout 20 janvier 2025. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Fon dit que gen en pile électeur qui a réagi sous nouveau et changement ça qui gen un ticket démocrate. La Valérie Saint-Louis gen réaction électeur noyau. Potentiel électeur noyau t'a exprimé tête avec un mélange espoir et inquiétude sous sorti Joe Biden dans course électorale présidentielle là avec espoir pour vice-président li Kamala Harris vin candidat démocrate là. Une circonscription démocrate avec voter noyau a aidé Joe Biden à remporter la victoire dans primaire 2020 yo, et puis finalement gagner Maison Blanche. Et puis électeur noyau a parmi supporter li qui pi ferme même là en pile dans parmi partisans li a fait appel pour quitter course là.
Mais autant que gen quelques citoyens noirs américains qui senti possibilité pour Kamala Harris remporter la victoire et puis vin président dans prochaine élection yo, comme yon moun qui descendant noir mélangé ak indien, course électorale ça fait quelques autres potentiels voteurs yo même yo senti yo gen quelques sauté. Cynthia Pierre, c'est un résident Atlanta. I'm feeling a little bit confused because it's the first time that something like this that in, you know, my moi senti moi un petit crasse confus parce que c'est première fois que on baraille qu'on s'arrivé. Ou qu'on est n'entend pas moins que moi m'a vivre là, pas jamais moi s'arriver. Et puis moi juste un petit j'en peur parce que avec climat qui gagne dans pays avec attitude moun yo envers n'importe bagaille qui différent de ça que habitué faire. Moi senti tant coup course la gain temps en faveur parti républicain. Moi senti moi juste un petit crasse peur sous qui j'en bagaille pour le passer n'entend qu'à venir. Moi senti mon petit crasse découragé. Moi pensé que c'est probablement moi ça qui pi bon pour m'utiliser. Si pour Joe Biden pour Kamala Harris avec ralliement immédiat l'autre leader parti a pour Corel fait que le vin nous favori pour le remplacer la tête ticket présidentiel là. Mais dans l'interview que nous faisons dans Atlanta côté que électeur t'a aidé parce qu'il est état Georgia pour démocratio 4 années de ça, quelques électeurs noyaux t'ont onti gens senti yo gen kè sauté. Un sondage vote que agence Epinorc dans centre pour recherche affaires publiques a été fait avant annonce Biden le dimanche passé a te joint que environ 6 démocrates sur 10 croient que Kamala Harris a fait un bon président. Dans un autre sondage qui pillage qui a fait parmi un pile grand monde, sondage a été montré en pile doute sur Kamala Harris avec seulement 3 américains sur 10 qui dit que le tac a fait un bon président. Mais parmi population noire, il y a plus chance que ouais Kamala Harris avec un yeux positif. En pile démocrate te suivent décision Joe Biden l'a exprimé si poli pour Kamala Harris. Congrès noir Black Caucus a te dit eux-mêmes que yo complètement appuyé vice-président. Il y a l'autre bord quelques électeurs noirs qui eux-mêmes t'est découragé par ça, ils ouais comme une chance minime pour Biden t'est gagné élection en novembre. Yo te dit que t'as supporté n'importe qui monde qui t'a capi bien représenté dans compétition électorale là en face Donald Trump. Derek Hall, son résident ville New York. I know there would be historical implications for having a black female president, the first female president. Moi connais ça ta ka gen implication historique pour gen un président femme noire, premier président femme noire. Eh bien, li pa ta dwe premier président noir, mais premier président femme noire. Nan ça gen implication historique. Mais pi gros sentiment moi dans élection ça, c'est un sentiment anti Donald Trump. Faut que c'est pas lui même. Sondage agence Epinorc a montré que noyau généralement considéré Donald Trump d'une façon négative. Mais pendant ce temps, sondage a montré que à peu près 7 grands monde noirs sur 10 gagnent une opinion favorable sur Donald Trump. Chiffre Donald Trump a amélioré en pile depuis commencement année 2021. Campagne Donald Trump lui-même continue à chercher gagner plus électeurs noirs avec même l'autre communauté qui est même minoritaire. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Réaction New York, réaction Atlanta. Nous parlons de pays d'Haïti côté yon leader parti politique dans Port-au-Prince réagit sous décision président Joe Biden prend pour le retirer col dans course électorale présidentielle novembre 2024 là. Massado Vilme. Ça bien oui, ça fait point fort. Fait fourer bouche moins tout. Jean Amérique fourer mille pieds oreilles gel. La politique pays d'Haïti. D'après leader organisation politique Émergence Patriotique René Civil, abonnant président américain Joe Biden dans la course électorale présidentielle novembre 2024, c'est une faiblesse pour le parti démocrate. Là. Pour paraître face à Trump, qui a fait une pile diversion, qui a fait une perception, le camp démocrate est obligé de passer à l'action pour changer cheval là dans la guerre. Et depuis que les gens ont changé cheval là, soldat, général là, dans la guerre, on met connaître sous la route perdu. Et quand démocrate là tout, il gagne du pain sous la planche avec ça qui a passé dans le Moyen-Orient, avec ça qui a passé dans la guerre, la Russie, l'Ukraine, et baisser l'autorité américaine, qui l'hégémonie américaine qui est en jeu, et nous route là son monde qui sous un monde bipolaire. Et on a une nouvelle monnaie qui a évalué dans le monde, qui a sapé la monnaie américaine. Ça, c'est du pain sur la planche. Créer un gouvernement américain à travers Biden. Tout le monde connaît, Biden est incapable. Avec l'âge qui prend exor maximum. Cependant, ancien candidat pour poste sénateur qui s'allie choix à Kamala Harris là pour représenter le Parti démocrate dans l'élection présidentielle là, dit qu'il n'y a pas de garantie, une femme a privé président pays les États-Unis. Choisi Kamala Harris, c'est une noire
qui fait des grandes expériences dans l'administration américaine et qui est très éduqué. En tant que noir, on est bien content qu'ils sont noirs qui dirigent les États-Unis. Mais malheureusement, est-ce que la société américaine, la mafia américaine, l'intelligentsia américaine prête pour une fille diriger? C'est la grande question à poser. Nous devons dire, dernière décision, si le président américain Joe Biden prend pour abandonner la course électorale présidentielle, là, semble pas arrêter sans conséquence sur quelques citoyens et citoyennes qui appliquent dans le programme humanitaire parole là, il y aurait les taux programme Biden, mais qui beaucoup approuvé. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme pour VOA Creole. Et c'est dans un moment développement ça yo, développement politique et électoral ça yo, que Kimberly Chattel démissionné comme directrice service secret et les États-Unis après tentative assassinat contre ancien président Donald Trump pendant un rassemblement dans Pennsylvanie. Gentil Augustin Junior. Directeur service secret américain Kimberly Chattel démissionné 10 jours après tentative assassinat sous ancien président Donald Trump. Nouvelle qui était sous le pays. Gen kek repons sou kouman tire ya te fè rive tout près Trump. Chef service secret États-Unis, Kimberly Chattel, ki te premier répond question parlementaire yo sou tire ya, te parlé carré et te dit: "We failed." Nou échoué. Chattel te dit yon rapport complet sou trou vide que agence lan te kite nan protection pour ancien président ta doué paraître nan 90 jours pour pita. Parlementaire yo te di ça pas acceptable nan yon période élection qui te déjà gen gros parler en pile. Kek la dan yo te mandé le démissionner. Service secret ya te toujours fait travail li sans échec. Mais li te échoué 13 juillet 2024 là ak nan jou avant meeting nan. Service secret ya gen plusieurs milliers employés ak yon gros budget, mais li vin paraît incompétent. Chattel te di parlementaire yo ke gen moun ki te informé service secret Trump la ke yo te wè yon suspect anvan ancien président te parlé nan rassemblement. Si groupe la te recevoir information ke te gen yon menace, li patap jam mené ancien président nan lié sa. Yon analyste di VOA ke avertissement bien bonnet sou tire ya soulevé an pile question sérieux. Most definitely there was a failure. Li clair ke yo pat contrôler menace même les yo te wè li. Et puis franchement, li ta gen doute raison pour tirer jeune garçon ça. Depuis kay nan distance moins que 500 mètres à côté ancien président te yé ya. Après ça, m'a mando si AR-15 ça qui te disponible là et dans toute Amérique là, te fait travail ou plus difficile ou soit plus facile. Qui donc ou pas paré pour répondre question ça? Service secret qui responsable pour protéger actuel ak ancien président américain yo. Tankou Trump nan problème après yon nom armé te capable tirer sous Trump étant lité sous yon dokay qui te allant tout yon rassemblement nan Larry Butler nan Pennsylvanie 13 juillet 2024 là. De parti yo, républicain ak démocrate, te condamné Chattel mandé li démissionner. Président américain Joe Biden te remercié directeur service secret ya pour service li après démission li jodi mardi 23 juillet ya. Nan note la, nou ka li comme leader, ça mandé honneur, courage ak yon intégrité incroyable pour li prendre toute responsabilité pour yon organisation qui gen pour li fè yon nan travail qui plus difficile dans service population. Chattel qui tap dirige agence lan depuis 2022 te di parlementaire yo ke li te prend responsabilité tire ya qui c'est pi gros échec service secret ya depuis lè yo tenté assassiner président Ronald Reagan nan l'année 1981. Catherine Gibson, VOA News, adaptation créole, gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Et puis gen ancien président républicain Donald Trump qui dit que l'administration Biden Harris la pas protéger assez dans l'occasion rassemblement ça en peine Sylvanie n'a prêté toujours dans actualité mais actualité a prêté toujours ici aux États-Unis avec visite premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Une visite qu'a faite dans moment qu'on
gros difficulté politique dans le pays d'Haïti et Premier ministre Benjamin Netanyahu a bien pour prendre la parole et devant Congrès et l'a bien tout Jean-Robert pour faire plusieurs rencontres dans la Maison Blanche et même rencontrer et candidats éventuellement Jean-Robert. Alors Jean-Di Araclin l'a rencontré avec le président Biden et vice-président Kamala Harris. Ensuite, il y a pour lui dans le Congrès à son invitation et le président de la Chambre des députés en a parlé de Mike Johnson. Mais c'est une visite qui n'est pas facile non, pour le premier ministre Benjamin Netanyahu. Parce que les militants qui ont fait avec les Palestiniens à part au pour qu'on a tout fourmi pour lui. Côté a organisé un gros coquin de manifestation devant le Congrès pour protester contre la présence de M. Netanyahu. Sous territoire américain, mais tout supporté par l'Otto, alors supporté Israélien et tout, et même tout, il n'y a pas pu faire manifestation. Donc ça, c'est pas un bac facile du tout. Donc autorité et il y a grand pile du pain sur la planche, mais c'est un gros dossier que le Premier ministre a dit, lui-même a profité de la présentation, ça n'a pas fait devant le Congrès, ça a gagné pour la première fois depuis 9 ans. Pour le présenter, pour dire la vérité sous guerre que le pays a mené dans le territoire Gaza. L'armée israélienne a attaqué hier lundi à Khan Younis, côté où il y a plusieurs douzaines de monde et plusieurs centaines d'autres monde qui recevront l'ordre pour les déplacer. C'est ça, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui était derrière pour venir à Washington, côté gagner une autre bataille politique après le président Joe Biden, prend décision pour ne pas chercher un autre mandat dans l'élection présidentielle novembre. And I will tell my friends on both sides of the aisle that c'est le gouvernement israélien a déclaré, moi prêt à chercher support deux partis politiques qui important en pile pour Israël. Moi prêt à dire, zami Israël gagne dans deux chambres. Quel que soit candidat peuple américain élu dans l'élection novembre, Israël a prêté un allié indispensable et jam pour États-Unis dans le Moyen-Orient. Ça, c'est déclaration publique, l'idée israélienne fait. Mais analyse fait qu'on est dans une course potentielle pour Maison-Blanche-Lan entre vice-président Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump. Netanyahu a préféré un républicain remporter la victoire. Jonathan Reynolds, responsable du département d'études politiques dans Israël Balan University, qui a parlé via Skype, déclaré que républicains ont plus supporté le calendrier de sécurité d'Israël. Mais deuxièmement, ils ont plus pardonné le gouvernement Zel doit Israël là avec politique la pratiquer. Envers Palestiniens. Nouvelle yo rapportée, le Premier ministre Netanyahu a demandé une rencontre avec l'ancien président Donald Trump qui a lancé une politique significative en faveur d'Israël pendant l'été sous pouvoir. Trump a négocié l'accord Abraham qui normalise les relations diplomatiques entre Israël et les Émirats Arabes Unis avec Bahreïn. Il a déplacé l'ambassade des États-Unis sur Tel Aviv pour mettre dans Jérusalem qui est en discussion et puis réorganiser l'annexion d'Israël avec Mongolie. Finalement, objectif principal visite Netanyahu dans Washington, c'est pour préparer base pour le prochain président américain avec le Parlement israélien qui presque arrivé dans 3 mois vacances, l'a avancé propre objectif li dans la coalition fragile gouvernement. There may be a political timing that will enable Netanyahu to make a move. Nimrod Goren, responsable Middle East Institute, te parlé avec Voix de l'Amérique via Zoom pour dire capable de gagner un moment politique qui permet Netanyahu de prendre une décision une fois Parlement en vacances. Sans ça, pas entraîner une rupture immédiate coalition à cause ça tape. Capable de faire jusqu'à ce que le Parlement recommence le travail. Pendant temps, ça, Netanyahu capable probablement agir contre faction zèle droite dans la coalition et puis jouer une entente de cessez-le-feu à Hamas dans la guerre qui existait depuis presque 9 mois. I believe we're inside the 10-yard line. Secrétaire d'État américain Antony Blinken qui a déclaré sur une passée à une entente comme ça possible, quoi, nous presque arrivés. Pendant n'a marché dans la direction ligne d'arrivée pour nous joindre un accord qui est capable de déboucher sur un cessez-le-feu, retourner au otage la caillou et puis mettre sur un bon route pour essayer de bâtir une paix avec une stabilité durable. Cependant, plus fort analyse par quoi ils ont entendu cesser le feu pour aller plus loin que phase 1. Parce que si Ouida Koussawa a écrit pour ça pour ça des nouvelles voix de l'Amérique là, et moi-même Jean-Robert Philippe, t'ai traduit et adapté en créole pour VOA créole dans Washington DC.
Merci Jean-Robert Philippe. Et puis une nouvelle qui fait tomber là, c'est que sénateur américain Bob Menendez, qui est sénateur New Jersey, eh bien, il a démissionné comme sénateur après qu'il ait été condamné pour question corruption. On a vu un détail pour dans l'autre édition. Donc, sénateur Bob Menendez, qui représentait New Jersey, eh bien, il a démissionné après que la justice joigne coupable pour corruption. Vous souvenez au Creole. Et bien, actualité dans le pays d'Haïti, ambassadeur Linda Thomas Greenfield annoncé pendant un passage dans le pays d'Haïti que le gouvernement américain à travers USAID débloqué 60 millions de dollars d'aide humanitaire additionnelle pour le peuple haïtien. Un reportage Yves Manuel et Steven Aristil. Ambassadeur Linda Thomas Greenfield effectué une visite 24 heures dans le pays d'Haïti lundi 22 juillet 2024. L'objectif visite ça, c'est pour réaffirmer support les États-Unis à bail pour transition démocratique là qui est faite en Haïti et pour sécurité et bien-être blaï pour tout peuple haïtien. Ambassadeur Greenfield pendant passage li dans pays a rencontré membre conseil présidentiel de transition avec Premier ministre Garry Conille. Tout de suite après rencontre ça yo, il visité base mission multinationale soutien avec sécurité pour évaluer formation, matériel et soutien qui est disponible pour personnel MMS. Pour boucler Viron ça, représentant États-Unis dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, bail une conférence bilan dans le salon diplomatique aéroport international Toussaint Louverture. Il était profité occasion pour annoncer que les États-Unis à travers USAID bail une assistance 60 millions de dollars dans la question humanitaire pour soulager la misère peuple haïtien. And so I'm proud to announce that the United States, through USAID, is providing an additional $60 million in humanitarian assistance to support the Haitian people, alleviate the suffering caused by gang violence and political instability. Yon l'autre côté, ambassadeur américain a annoncé tout yon paquet qui yon la donne machine blindée avec divers autres matériels techniques pour supporter mobilité mission multinationale sécurité dans le pays d'Haïti. À travers le département de défense, I'm also announcing that the State Department, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, intends to procure an additional broad range of armored vehicles. This enhanced vehicle package will further assist the MSS in combating gang violence in Port-au-Prince. Ambassadeur Linda Thomas Greenfield, qui fait voyage ça dans un avion militaire, t'est accompagné de Brian Nichols, secrétaire adjoint dans affaires hémisphère occidental. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et n'a pas tout dit que gagne ambassadeur les États-Unis dans le pays d'Haïti, tout qui annonçait que gagne un troisième contingent, un troisième groupe policier qui a gagné pour entrer dans le pays d'Haïti, mais cette fois-ci, il a sorti dans le pays et Jamaïque. En attendant que nous gagnions environ 400 policiers qui c'est mon pays Kenya qui dans le pays d'Haïti pour aider la police nationale là et ben couper gang armé. Et puis n'a dit tout que débat continue à faire par rapport à démarche mise en place conseil électoral provisoire avec publication arrêté qui lié à organisation conférence nationale là donc gain pile débat qu'a fait sous question ça n'a pas retourné sous et nous t'ai parlé de démission et Bob Menendez et ben n'a dit que démission ça l'a effectif le 20 août après que la justice joigne sénateur et ben coupable pour corruption pour coûte l'argent imbattable il représentait New Jersey et yo t'ai joigne verdict là t'ai sorti 16 juillet qui saute passé là et il annonçait que et ben la bail démission dans
comme sénateur qui était représenté New Jersey et qui s'est en mon pile fois prend position par rapport à question haïtienne. On a parlé de sénateur Bob Menendez, mais il dit que le 20 août qu'a venu là, eh ben il y a la bail démission dans Congrès américain ou bien dans Sénat américain après que la justice joigne coupable pour corruption. Il était recevoir coûte l'argent imbattable avec il était même fait perquisition la Cali côté il était joindre corps, il était joindre des gros bâtons l'or. Et donc tout ça fait que eh ben sénateur et n'a problème. Donc pratiquement c'est là nous mettez fin dans le programme. C'est ton plaisir comme d'habitude pour nous te servir et gros point cap dominé actualité à c'est demain soir président Joe Biden pour aller prendre la parole quelques jours après que eh ben il décidé by vague à course présidentielle là et il endossé vice-président lui en parlant de Kamala Harris qui lui-même déjà en campagne pour le joindre eh ben assez délégué pour le capable à le représenter Patia dans l'élection présidentielle qui est fixée pour 5 novembre mais faut nous tendre convention nationale parti démocrate là qui va dérouler sur 19 pour 22 dans ville Chicago dans état Illinois nous connaît VOA Creole la présent et demain soir a gagné un programme spécial dans occasion eh ben discours président Joe Biden pour le mettre devant peuple américain après que il fait yon crasé qui était ça. Merci Franklin et merci Chang Wang, merci Abela pour contribution dans programme ça. Moi c'est Jacqueline Belizère donc rendez-vous demain pour un autre rendez-vous info. Bonsoir. Ancien commissaire gouvernement Vilo Kailan Ronald Richmond dans gros courri. Gagné paquet la Vilo Kai ensemble avec la police nationale d'Haïti qui posait la patte sur un jeune garçon qui ta yon bras droit ancien commissaire gouvernement et bien Vilo Kailan a parlé de Ronald Richmond jeune garçon ça qui relait Kelly Semarté qui gienti non jouette li et bien Keke de Nazareth et bien yo arrêté monsieur ça. Une raison qui fait que yo arrêté monsieur ça c'est parce que monsieur ça li té gayen implication nan question et bien fermé paquet ville Okay n'a rappelé automatiquement Ronald Richmond yo té meté lion côté pour que yo capable enquêter sur lui par rapport avec yo ensemble de faits yo reprochel gayen et bien ministre justice là n'a parlé de maître Carlos Hercule qui était nommé yon moun tankou James Jean-Louis comme nouveau commissaire et bien ville Okay commissaire gouvernement ville Okay nan moment installation maître James Jean-Louis en pile moun te capable constater que te gagné mouvement protestation et en pile moun te capable ouais que et bien porte paquet te fermé. Bon, expliquez-nous qui ça bagaille là yé. Automatiquement, yo mette Ronald Richmond sous côté et forme dit nous que gagné un ensemble de faits que yo reproché Ronald Richmond, you n'en fait yo c'est parce que li impliqué dans la mort journaliste Tess Gary, n'a pas rappelé qui c'est journaliste Le Bon FM et journaliste ça qui te gagné yon émission de renom. Eh bien, nan Vilo Kay, par rapport ensemble avec dénonciation que journaliste sa te kon fè vis-à-vis de ancien commissaire gouvernement Ronald Richmond, yo ta pral constater que journaliste sa te disparaît. Et nan moment te disparaît là, yo ta pral remarquer nan quelques jours après, yo ta pral remarquer cadavre li sans vie. Et c'est une raison qui fait que yo reproché Ronald Richmond comme quoi li ta impliqué dans la mort Tess Gary et gagné plusieurs autres dérives qui kon rive Okay. Eh bien dans sens ça gagné ministre justice là n'a parlé de maître Carlos Hercule qui te dit Ronald Richmond mettez corps sous côté tout l'accord en attendant que gagnon enquête gon commission qui pral ouvrir une enquête sur ou et une nan décision que yo prend la vis-à-vis de Ronald Richmond yo mette interdiction de départ contre Ronald Richmond
Est-ce que interdiction de départ ça veut dire que Ronald Richmond capable en bas code? En tout cas possibilité en là, j'aime t'ab dit tout à l'heure, eh bien gagné une bras droite ancien commissaire gouvernement ville Okaela n'a parlé de maître Ronald Richmond, eh bien que yo arrêté la police arrêté jeudi mardi 23 juillet 2024 là. Monsieur ça qui relait Kelly SC Martin en pile moun Okaela connaît le sous-nom Keke de Nazareth. Mais monsieur ça, il était impliqué dans question fermé porte paquet ville Okaï. M'gal invité nous tendre réaction monsieur ça dans moment que la police te fouquel et puis te gagné quelques confrères journalistes qui eux même t'a posé la question par rapport avec arrestation, nous pral tande comment Keke de Nazareth lui-même li t'a répondre confrère sa yo. En tout cas, c'est comme ça que Keke de Nazareth a parlé devant journaliste qui était présent yo. Yon nan bagay monsieur an di c'est que yo arrêté pour raison politique. Qui ça qui politique là? Ou t'as fait action malhonnête, ou t'as fait action zelfeis, tout le monde est capable de constater que ou t'as fait action zelfeis, yo posé la patte sous ou pour capable venir répondre de qui prévient, de qui manigance. Et qui est-ce qui te bon autorisation ça? Eh bien, monsieur Ankampé, il dit c'est question politique. Et yon bagay que monsieur en lui-même li te dit, eh bien, c'est yon arrêté sans mandat. Pendant que nous sommes capables de constater que depuis plusieurs jours, gagné un mandat qui était décerné pour que vous êtes capable de venir ensemble avec monsieur ça par rapport ensemble avec l'action que lui fait. Je vous dis, en pile monde a posé question. Est-ce que Ronald Richmond pral en bas code? Mais gagné moun konsatou qui capable dit Ronald Richmond semble gétan apprend cette code là parce que gagné plusieurs mesures que prend vis-à-vis de ancien commissaire gouvernement Ronald Richmond et youn nan mesure yo j'aime so di tout à l'heure c'est que yo interdit pour le ta quitter pays. Quitter pays par n'importe façon sous la main en l'air athée. Sauf si Ronald Richmond t'a décidé de voyager en cachette pour t'a prendre bateau pour t'a quitter pays celle qu'on ça capable quitter pays mais automatiquement là le temps t'a quitter pays pendant que gagne mandat gagne interdiction de départ vis-à-vis de lui-même et ben il a tout posé le il a tout mettre en bacode, il a tout marrer tant que crabe pour que il soit capable mener eh bien pour la juger de qui prévient de qui manigance, il t'a tenté quitter eh bien pays. Une autre bagaille qui vient c'est que Ronald Richmond li nan couri. N'a quitté information concernant Ronald Richmond pour n'al parler de monsieur ça. Monsieur ça, li rele Pierre Espérance. C'est coordonnateur et eh bien général yon réseau qui rele RNDDH comme quoi yon réseau qui là pour capable défendre droit moun. Et bien monsieur ça en pile moun te capable constater c'est avec quel content monsieur on tape chanter qui jan bandi ou pral mouri, qui jan population pral marcher sous bandi ensemble avec la police. Bouche moi semble trompé, gien laissé puis même Pierre Espérance ça qui compte les bay bandi bois calé surtout les commissaires et gouvernement
Les commissaires et gouvernement Jean-Ernest Muscanet a marché sous bandit et monsieur a été campé pour la chanter bandit au pral mourir, bandit au pral mourir. Et une nabara qui vient, c'est que monsieur a dit constat que en pile bandit pral mourir, elle était tout profité pour te parler de mes porte-parole et vive ensemble. N'a parlé de Jimmy Cherizier et barbecue, li te dit que barbecue pral mouri, li tap cite non plusieurs bandits qui gagnent dans pays a, et bien qui pral mouri. Bon, invite nous tande Pierre Espérance, n'a pas comprendre plus bien si c'est moi même qui dit nous, nous ka pa kwè, mais bon kite nous tande Pierre Espérance. Merci en ville. Nous pas paix, nous pas jambes, bandit ou pral mourir, c'est prison ou la mort. Bandit ou pral mourir, c'est juste moi résider sous barbecue en pile. Par contre, barbecue sont terroristes liés. Écoutez, c'est monsieur qui parle plus. C'est monsieur qui devant scène. Nous sommes capables que Pierre Espérance ligue un talent dans la question chantée. Qui donc? En pile moun te capable de dire que si toutefois Pierre Espérance tap chante, li te capable de faire mieux journée. Par rapport avec journée jodia, li prend plaisir pour la monter yon ensemble de dossiers et pour le capable finir ensemble avec moun. Si la prend, eh bien, yon nan parole que Jimmy Cherizier qu'on a dit, gagne plusieurs autres moun qui toujours a dit que, eh bien, Pierre Espérance, mission c'est dresser faux rapport pour le capable finir ensemble avec moun. Mais forme dit que Pierre Espérance journée aujourd'hui li traité Jimmy Cherizier alias barbecue de théoriste. Jodi la on fait une petite analyse pour nous garder pour nous est-ce que c'est pas Pierre Espérance qui lui-même construit moun sa qui rele Jimmy Cherizier, moun sa qui rele barbecue. M'a rappelé nous que Jimmy Cherizier et barbecue, eh bien c'est un ancien policier. Et c'était une bon grain qui gagnait en dans la police là, qui était gagné en dans la police là. N'a parlé de Jimmy Cherizier, mais pendant que l'ital participait dans une opération qui t'a fait eh bien dans Gravine, opération qui t'a pral mal tourné, et dans moment que yo t'es perdu un frère Damio qui était dans opération ensemble avec yo, et monsieur t'es décidé pour que yo t'es capable passer toute complice eh bien en bas ou loin, il y a un pile monde qui était roulé et qui était mouru, qui était passé en bas ou loin. Et Fon dit que monsieur policier ça yo yote descend après quelques jours de opération ça que yote mené eh bien dans zone Grand Ravine. Eh bien d'après ça Jimmy Cherizier et que barbecue te rapporté gagné rapport qui était sorti vis-à-vis de policier yo et te gagné convocation bon côté inspection générale pour que yote capable arrêter tout policier yo. C'est une raison qui fait que journée jodi là yon moun tankou Jimmy et Cherizier et que barbecue li pas dans la police, c'est par rapport ensemble avec Pierre Espérance. D'après ça, il toujours dit, mais jodi là Pierre Espérance traite Jimmy Cherizier et que barbecue de terroriste. On continue tande yon moun tankou Pierre Espérance. On allez barbecue s'il a pris vide l'homme. Vite là, Chris là, comment est-ce que tu as? Iso, qui est encore? Et Gabriel, comment est-ce que tu as viré? Mikano, Jeff, 10 lots à Mio. Caché de feu? Oui, grand caché de feu. Caché de feu, pardon, non, non, de la mort sans vie. Comment est-ce que tu as? Merci. La mort sans vie, mais de la mort sans vie. 400 marzo? 400 marzo, oui. Bon, c'est ça? Le meublier? Non, bah, c'est tout. Bon, comme. Théoriste qui parle plus ça peut-être c'est ça que non moi cité non même m'a cité tout soumettre toute liste ça là qui m'a soumis m'a cité tout mais qui des monde qui a pris pour un mot gang ça chaque fois tirer ça m'a demandé pour tout yo non m'a demandé pour tout yo moi dit et c'est assez nous souffrons trop gagne dans nous là qui victime gagne en pile dans nous là moi aussi qui quitter caï nous et qui a bandit bandi prend caillou ou bien famille victime qui ont porté victime ou bien
qui ont kidnappé un proche nous. Donc, théorie ça, vous faites trop. Jodi, hein, et population a marché sur vous, les prêts à marcher sur vous avec les policiers. Les ça, si vous ne rentrez pas en tête, vous remettez vos armes, il y a plus. Population là dedans. Bien sûr. Comme si là, au moins, vous pensez que vous avez. Moi, je fais un petit copé vidéo, hein. Parce que j'ai une parole, Pierre Espérance dit là, qui vraiment intéressé. Il dit population avec la police pour aller marcher sur eux. Marcher sur eux comment? Nous connaissons que Pierre Espérance, c'est un monde qui soi-disant dit que il a défendu droit à monde. Et Pierre Espérance, le plus souvent, il est toujours contre, eh bien, pendant plusieurs fois, les la police a marché sur bandit. Est-ce que Pierre Espérance, il y est à l'étape, ou bien est-ce que c'est une figure de style que Pierre Espérance l'a utilisé, l'Eldi, population avec Bandi, pral marché sur yon, m'tare me connaît, nan qui contexte que population avec la police pral marché sur Bandi, on continue tande Pierre Espérance. Non, moi je ne fais pas de population. Ça dit la semaine qui a fini dans la porte de Bois-Calé. Bye-bye. Non, parce que la population c'est Bois-Calé. Non, attends. Écoute, il ne faut pas me défendre, mes amis. Je ne vais jamais parler de Bois-Calé. Je ne vais pas défendre ces droits au monde pour me parler de Bois-Calé. Je ne vais pas dénoncer des acteurs en chaîne pénale qui ont exécuté le monde et puis pour moi-même, comme défendre ces droits au monde, pour me parler de Bois-Calé. Pas déformer ça, RNDDID. Nous dit théorie ça yo, yo fait trop la population et sous population là sous la police jodi a bon ça cap développer dans la police là avec population avec la police là marcher sous yo qui donc si yo pas déposer les armes yo remettre tête yo y a mouri yo fait qu'on y a combien face et Kenya yo a poser une question ça. Je ne sais pas si je suis un peu plus de respect. Mais des gens qui font connaître que c'est un bon gang policier, c'est par rapport avec le rapport RNDDH, qui fait jeudi, il est capable de faire ça. Ordonnance qui est basée sur la police judiciaire. Ça, c'est une ordonnance qui est basée sur la police judiciaire. D'accord? Ok? Parallèlement, il y a des gouvernements qui, population qui commence à. Il y a une banalisation de la vie. Mais est-ce que vous pensez que ce bail qui fait facile là et c'est vrai qu'il va pile dans mon yo qui t'a dit grand pile dans mon yo qui t'a demandé d'ailleurs qui est arrêté et là par exemple il fait de nos chéri t'a arrêté et puis il a pas la suite de venir naguer. Est-ce que vous pensez que monde ça ou pas parler dans cavale ou bien est-ce que vous pensez Léo il veut demander et juste pour dire au pour Bandi va mourir, je vais compter si vous parlez des armes, ou bien si vous parlez de tête. Ils vont aller en prison, mais cimetière, et les gens qui font massacre à Saline, ils vont être jugés. Je dis à grand peu de monde qui a saisi avec des classes sur des bandits, ils vont le monde. C'est grand peu de monde qui toujours fait quoi, et ils vont supporter les bandits, tandis qu'ils vont contre la police par rapport avec les rapports qu'on fait. Et ça, ouais, mais. Écoute, moi, penser, ou même comme journaliste, ou pas. Bon, pour petit campé vidéo là, bon, pour petit campé audio là, pour que nous capables de faire un petit bas de bouche par rapport à la question. Nous capables d'entendre Pierre Espérance Campbell dit que Bandi ou pral mourir. Et confrère l'a posé la question, il dit en pile moun ka étonné d'entendre ça que vous dites. Pabli n'a parlé de Pierre Espérance. Pierre Espérance, c'est un moun qui fait partie de un réseau qui défend droit moun. Pierre Espérance toujours campé
pour que à chaque fois que yon bandit a tombé dans une situation déplorable pendant que la police a fait opération, Pierre Espérance toujours dit que policier yo, c'est gros bagay a fait sous bandit yo. C'est droit population que yon pas respecté, mais pour autant Pierre Espérance pas jamais parlé de policier, même que pendant le sortir là, Pierre Espérance dit que, eh bien, li toujours mette rapport dehors. Quand il s'agit de les policiers et victimes, il est toujours là pour être capable de défendre et bien policiers cap victimes yo. Jodi an là, en pile monde capable constater que et bien responsable réseau national cap défendre droit moun nan RNDDH et bien li gagne yon l'autre discours, li gon discours contraire et en pile monde ka wè que Pierre Espérance content, yon nan bagay ke la fè musique, bandi yo pral mouri, bandi yo pral mouri. Est-ce que c'est parce que Pierre Espérance gen tan gwo nouvèl qui fait ap chante avant tout, et bien bandi yo pral mouri, et c'était yon Pierre Espérance qui était vraiment et bien en liesse, c'était vraiment yon Pierre Espérance qui était en joie, en continue tande responsable RNDDH Pierre Espérance qui lui-même était devant yon groupe journaliste qui t'a répondu question. Jour là, une occasion faite, la police n'a pas sorti le rapport pour nous présenter la situation de la police. Nous toujours campés par côté journalistes, nous toujours campés par côté la police, nous toujours campés par côté population. RNDDH contre banalisation de la vie. Donc, je ne vais pas répondre parole fatra. Je me dis parole fatra, il va me dire fatra, non, parole fatra, vous n'avez pas parlé. Nous, partisans, état des droits. Et tout rapport RNDDH nous fait sous question gang, quel que soit gang, nous sommes disponibles. Nous là, si vous voulez, nous avons parti ou bien sous signe. RNDDH pour RG. Alors, vous faites qu'on est bandit, vous allez mourir, mais nous, dans les derniers jours, ça va vous piller. Vous allez mourir, mourir. Nous, pas après. Nous pas jambes. Nous pas jambes. Est-ce que nous tendez Pierre Espérance? Nous pas peur, nous pas jambes. Bandi au pral mouri, jou yo rive. Qui donc Pierre Espérance li ban nou en pile information comme quoi jou bandi au rive, yo pral mouri. N'ap kite information qui pouwe ak sorti Pierre Espérance là. Cette fois-ci, nous pral parler de gros conflit ça qui gagne au niveau de Croix des Bouquets. Gagne en pile bandi qui tombe, en pile bandi qui te poyo à terre surtout au niveau de Duval par rapport avec opération que la police a mené dans fief monsieur 400 Marozoyo mais monsieur Sayo qui est un bon bout de temps qu'a dominé pleinement et bien jodi là c'est pas deux soldats 400 Marozo qui pas tombé c'est pas deux soldats 400 Marozo la police pas vidé à terre avant même n'al di ou qui sa dossier yé qui sa situation yé forme dit nous que dans vidéo n'a regardé là c'est monsieur yo, Cap Calé West, c'est monsieur Cap ouvert koyo depuis les que yo te fin prend eh bien sous commissariat Grantier. Information capable partager ensemble avec nous si c'est vrai monsieur te gen contrôle sous commissariat Grantier et Grantier mais pour autant eh bien la police rivé récupérer eh bien sous commissariat là et monsieur te obligé mettre van en voile yo puisque te gen monsieur Polifron yo te gen soit te gen Udmo te gen Simo te gen Utag et sans oublier policier kenyan yo accompagné de l'armée d'Haïti et bien toute unité sa yo yo te pote bourré et bien Gantier pour yo te capable à récupérer commissariat dans mes bandi yo entendez comment monsieur sa yo même t'a fait fête dans moment que yo te rivé dans espace sous commissariat Gantier dans Moudali dans Bouclanet m'lam la net kakara fait DDL DDL net Après les chats, on met pour nous chats nous. Et pour mais ça, et ben ça vaut d'être marié Dieu. Mais
nous capable là c'est pas obligé mettre dans voile yo tout pousser à pousser quoi c'est pendant yo pas ouais chat automatiquement yo ouais chat yo lagué pied yo pas arrêter et mais forme dit nous que ça c'est dans moment que monsieur même yo te prend et bien sous commissariat Gantier et qui ça information yé dans moment où te fait pour te bourrer sous commissariat Gantier forme dit nous que depuis plusieurs jours en pile coup de balle fait Mikalaw surtout dans zone Duval dans zone Marassa dans zone Tabar 27 côté que nous relé Pontabal un pile coup de balle et me fait Mikalaw dans zone ça par rapport ensemble avec la police qui sorti pour capable mettre dormi dans zier exam surtout cap opérer dans localité ça automatiquement chef gang 400 Marozoan l'homme sans jour bois qui est papa rapper monsieur prend à liguer information une raison une objectif li une bagaille capable forcer pour une bagaille capable faciliter pour que la police capable quitter espace là pour capable quitter monsieur en repos parce que la police décide pour finir ensemble avec question 400 Marozo cap bay problème dans croix des bouquets et ben monsieur prend groupe monsieur Lio lui dit monsieur on font porter bourré sous commissariat qui gagne Gantier laisse ça police a obligé quitter en bas pour monter vivre nous et laisse ça monsieur a capable respirer par rapport avec attaque que joigne vis-à-vis de la police. Et maintenant moment dans samedi monsieur était décidé pour être capable font porter bourré dans Gantier et ben pour me dire nous population Gantier li était campé pour que li était capable défendre zone monsieur était obligé faire bac il était obligé à étudier l'autre stratégie à étudier l'autre possibilité pour que capable porter bourré sous commissariat Gantier et forme dit nous monsieur était choisi pour que était capable lever dans les bizongo il était lever dans les bizongo côté que il lever à minuit et à minuit il était décidé pour que était capable rentrer Gantier et à 3h du matin monsieur était arrivé mettez pied au Gantier laisse ça en pile moun tap dormi et c'est pas deux moun monsieur ça ont pas tué dans moment que yo arrivé Gantier et vidéo sont gardé tout à l'heure c'est vidéo côté que monsieur même yo tap font rivé devant sous commissariat Gantier dans moment où la police yo était obligé la gueban envoyer lui mettre ban envoyer yo était obligé la gue pied yo là noue monsieur yo qui est vraiment gen gros manche nan men yo yo a théorisé population yo a fait population en pile mal et bien nous capable là dans vidéo là côté que l'ambois sans jour avec équipe li monsieur Saro qui font porter bourré dans Gantier mais la police pas quitter monsieur Duval yo yota yo pas ba yo même yon may nan chaîne nan fòm di nou que la police vini avec plusieurs chars et nan moment bandi yo konn toujours mande la police mettre pied à terre et policier ont mettre pied à terre yo te rentré dans tout petit corridor yo te rentré dans tout petit trou yo tapé bandi et gen en pile nèg qui kite pour yo à terre surtout dans localité qui rele Duval dans zone qui rele Duval dans commune Croix des Bouquets et fòm di nou tout en dans cité Doudoun la gen on base bandi surtout 400 Marozo en dans ça c'est pas deux bandi eh bien qui prend balle il est rentré les ont sorti dehors ti chaque croisé avec yo bab pou bab et s'entendait coup de balle fait Mikalaw et monsieur était obligé la gen pied yo yo courir rentrer yo une raison qui fait que Charles il pas de rentrer à suivre yo c'est parce que yo mettons en pile tête. Avant, la police a utilisé un gros pileté dans l'idée pour que yo empêche monsieur yo sorti al kidnapper moun, yo te kon fè un pile zak malhonnête à chaque fois que yo sorti, yo kidnapper moun, si n'ap sonje famille Durandis que monsieur sa yo même yo te boulé tout vivant dans yon machine nan moment yo tap tenté kidnapper yo, eh bien malheureusement pour famille ça, te gagné deux petites monsieur Durandis yo et puis te gagné madame Litou qui était dans machine là nan moment que yo tap sorti l'église rock solide de tabac
Et bien, c'est dans ce moment ça que M. 400 Marozo a été croisé ensemble avec la famille, malheureusement, il a boulé, il a touillé. Pomme dit nous que, bagala vraiment mon gomet. Tout matin, on a eu un pile coup de balle. Hier, on a eu un coup de balle, mais c'était un coup de balle qui était vraiment réduit par rapport avec examen. Et examen, si mon 9e année, et bien, par rapport avec examen, ça fait que tu as eu un petit relâchement au niveau de la police. La police qui décidait pour que yo pas bail monsieur 400 Marozo, yo souffre par rapport avec crime que vous faites population, eh bien, je ne vous dis, c'est pas deux bandits qui pas tombé, et comme dit nous, dans une minute, n'a pas parlé là, gagné en pile réel au niveau de base 400 Marozo par rapport avec plusieurs soldats que l'an mois sans jour perdu, et la police, ensemble avec force kenyane, yo a préparé là pour que yo capable font porter bourré cette fois-ci dans fief plan mois sans jour. Semblait jour monsieur arrivé, semblait monsieur li capable sans attendre, nous capable tendre monsieur li font voyage la loi baron pleinement, li capable quitter pleinement pour la loi baron parce que la police pas décidé pour que yo capable bayon mai ensemble avec monsieur 400 moi pral ban nou yon idée de pote bourré la police t'a fait nan base 400 Marozo surtout nan zone Duval nan moment que la police t'a privé te gen en pile coup de balle fòm di nou te gen ti monsieur et bien FADH qui te accompagné la police et bandi yo te prend nan yon attrape et je n'ap gade sou vidéo nan vidéo là et bien c'est yon idée de opération la police t'a mené dans moment que la police te mette pied à terre pour que yo te capable al traquer monsieur 400 Marozo yo bon invité nous suivre comment ça t'ayé dans moment que policier yo ensemble avec militaire yo t'ai décidé pour yo te capable mettre pied à terre faut me dire nous t'ai en pile coup de balle qui t'ai fait Mikalao jou ça. Aïe la mi. Ça y est, l'ami. Voilà, je suis la femme de Bataille de Gada. Bon, je suis à terre. Qu'est-ce que c'est, oui? Eh, dans ce maquette, on va m'en écouter. C'est comme ça, et... Bah, yoté, on le prend encore, on suit comment ça t'est. Policier accompagné avec militaire. C'est comme ça et ça t'aille et surtout dans zone Croix des Bouquets dans moment que la police t'a mis pied la terre pour te déployer dans l'idée pour que tu es capable de mettre un petit de l'eau dans du vin monsieur 400 Marozo. L'information c'est que gagné plusieurs bandits dans base 400 Marozo qui quittaient pour eux et la police décidé pour que il est capable traquer monsieur Sao jusqu'à ce que yo rende tête yo sinon yo la yo mené yo ouais baron en vent les yo. C'est ça information et mais nous te prend en pile plaisir pour que nous te capable vienne partager information ça yo ensemble avec nous dans un premier temps et bien nous te parler de Ronald Richemont qui dans une situation qui vraiment compliquée Ronald Richemont capable aller en bacode et gagner la police ensemble avec et bien parquet et Okai qui mettait en bacode une bras droite Ronald Richemont n'a parlé de Kelly Saint-Martin en plus monde connaît son nom
Keke de Nazareth, et bien jodi là la police fouke monsieur ça et Ronald Richemont qui gagne interdiction de départ pour ta quitter pays, et bien Ronald Richemont pas qu'à quitter pays, et bien bagala vraiment compliqué pour Ronald Richemont. Et puis nous te parlons tout de fameux Pierre Espérance qui lui-même jodi là et qui tellement content l'a chanté les arrivés bandi pral tombé. Et bien jodi là Pierre Espérance qui parlait par rapport ensemble avec bandi yo, et Pierre Espérance qui même dit que la police ensemble avec et bien population pral mette dormi nanje bandi yo. En pile monde capable constater que journée jodi discours Pierre Espérance li changé. Et puis troisième information que nous t'ai ensemble avec nous jodi là, c'est gros et bien opération ça que la police a mené dans commune Croix des Bouquets. Gendergen en pile bandi qui tombé en bas balle la police, bandi yo pas ka résister, yo obligé la gepye yo et la police récupéré et bien sous commissariat Gantien que monsieur 400 Marozoyo t'a fait poster, t'a fait photo et bien devant commissariat et la police qui récupérait sous commissariat Gantier. Ou gen en pile intérêt pour que ou capable partager et bien information yo pour que ou capable joindre plus moun pour que yo capable et bien arriver sous plus moun. Nous te prenons plaisir pour que nous te capable et bien informer yo zami internautes.